Pour repérer une fuite d'eau, il suffit de regarder votre compteur d'eau. Le soir, avant d'aller vous coucher, fermez le robinet du haut et le robinet du bas et prenez le chiffre indiqué par le compteur en photo. Durant la nuit, ne faites pas couler d'eau et ne tirez pas la chasse des toilettes. Le lendemain matin, si le chiffre est différent que celui pris en photo la veille, cela veut dire qu'il y a une fuite quelque part. Les petites fuites que l'on ne voit pas facilement viennent généralement d'un robinet qui goutte ou d'une chasse qui coule. Pour couper votre arrivée d'eau, il suffit de tourner la vanne sous votre évier. On l'appelle le robinet Shell. Tournez dans l'autre sens pour réactiver votre arrivée d'eau. Le bleu correspond au froid et le rouge au chaud. Nous vous conseillons d'ouvrir et fermer à fond vos robinets Shell une fois par mois. Cela permet d'éviter que le calcaire ne bloque les vannes. En cas de fuite, si vous êtes locataire au logement bruxellois, vous pouvez contacter notre service technique pendant les permanences. Nous vous conseillons de ne pas laisser traîner cette fuite. Au fil du temps, quelques gouttes se transforment vite en plusieurs litres et cela augmente votre facture d'eau.